chaîne Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de toujours être parmi nous. Au sommaire de ce jour, République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi évacué d'urgence en Belgique. Plusieurs informations font état de ce que le président congolais Félix Tshisekedi a dû être transporté d'urgence en Belgique pour recevoir des soins liés à sa maladie. On ne sait pas exactement de quoi souffre le président congolais, mais il aurait subi une intervention chirurgicale. Selon un proche cité par le journal d'information Afrique La Libre Bleue, le président congolais a subi une opération à cœur ouvert qui s'est bien passée, après qu'il a été transporté d'urgence en Belgique dimanche dernier. Cette information intervient alors que le président souffrait de problèmes cardiaques bien avant sa campagne électorale en 2018, mais les médecins ne pouvant garantir sa réussite, l'opération avait été repoussée. Le silence ne pourra plus être maintenu très longtemps, mais ce sont des opérations délicates. Il faut attendre l'aval des médecins pour communiquer. Le président devra rester quelques jours en Belgique et devra avoir une semaine de repos complet, a indiqué une source très proche de la présidence de la République congolaise. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.